Regardez ce qui se passe du côté de la Belgique. Ça va vous choquer. Un spectacle de célébration du 80e anniversaire de cette abominable secte. La Bible dit, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la musique mondaine, les choses mondaines, la musique mondaine, n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, n'est pas en lui. Donc, regardez mes frères et sœurs, l'année passée, en Belgique, la continuation de ce festival de Rocher des âges d'hémosexuels, de promiscuité, de 1975, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est pour montrer que la racine est là. Suivez vous-même ces quelques extraits. Mettez-vous debout, nous allons danser les moutachis dans le Seigneur. On y va! C'était merveilleux, n'est-ce pas? Applaudissez pour vous-même. C'était en feu. C'était en feu. Voilà. C'était. Voilà un spectacle d'ambiance sur votre écran. Jésus-Christ TV. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité s'affranchira. Des gambadements au rythme de la musique mondaine, la musique abominable, en Belgique, avec des femmes qui sont habillées, ayant des mises de prostituées, comme la plupart des sœurs habillées par le passé, qui ont été vraiment converties, affranchies. Et c'est le témoignage que ma propre épouse a toujours donné par rapport à comment Dieu l'a brisé, par rapport à sa manière de s'habiller, de se vêtir. Voilà donc les femmes dans cette salle qui sont habillées comme des prostituées visiblement, qui n'ont pas la crainte de Dieu, visiblement la débauche, la perversité. C'est terrible ce qui est en train de se passer. La musique mondiale qui a infiltré le corps de Christ à travers le monde et en particulier le ministère de la voix. Voilà des choses qui sont en train de se passer, frères et sœurs. Sur votre écran. Je vous passe la parole pour vos commentaires. Voilà, comme cette musique est en train de passer des choses abominables que nous sommes en train de voir. Oui, alors merci à toi pour la parole. Finalement, on revient toujours à la même racine, finalement. La racine du problème, c'est la doctrine. Parce que cette doctrine permet à des femmes d'être des sujets, des objets de séduction. Parce que cette doctrine n'enseigne pas la soumission. La Bible dit bien que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et que l'homme est le chef de la femme. Mais dans cette assemblée, les femmes vont être en position d'autorité dans des communions, dans des églises de maison, dans des librairies finalement, et vont avoir autorité sur des couples d'hommes mariés, d'hommes peut-être célibataires, d'hommes peut-être même plus âgés qu'elles. Donc, déjà premièrement, ces femmes ne sont pas soumises, donc elles n'ont pas une ligne de conduite, finalement. Et de plus, on ne renseigne pas la pudeur. La pudeur n'est pas enseignée. La pudeur
la manière chaste et réservée de vivre. La modestie n'est pas enseignée. Donc, voilà, on reconnaît un arbre à ses fruits, je pense, n'est-ce pas? On reconnaît un arbre à ses fruits. Donc, voilà ce que cette doctrine produit. Tout à fait. Des objets de séduction. Frères et sœurs, un objet de séduction. C'est-à-dire que l'arbre de la séduction, c'est pas possible. Il ne peut pas en être autrement, finalement, parce que tout est relatif, tout est lié à la doctrine, genre. Et justement, non seulement les femmes qui sont dans cette salle avec les mises de prostituées, avec les faux cheveux sur la tête, les faux ongles, les faux cils, en fait, ce sont des objets de fausseté ambulante. Et justement, nous avons notre bien-aimé Sœur Grâce, et la Bible donne cette responsabilité au Seigneur Christ de conseiller les jeunes sœurs. Et qu'est-ce que tu peux dire? Avant de passer à la parole, il y a un détail. Les hommes qui ont les longs cheveux, la Bible dit que c'est une honte pour un homme de porter les longs cheveux. Les gens vont vous dire que non, Samson avait les longs cheveux. Samson avait les longs cheveux pour un but. Samson n'était pas chrétien. Samson ne faisait pas partie de l'école de Christ. On va dire que Jésus avait les longs cheveux. Ça, c'est votre Jésus homosexuel dessiné par, je sais pas, les artistes, etc. Donc, quel conseil tu peux donner en regardant cette musique abominable? Comment les jeunes hommes, visiblement efféminés, tout le ventre, au tambourinement de la batterie, au ronronnement de la guitare basse, etc. La musique du monde qui envahit le corps de Christ, c'est terrible. Quel conseil tu peux donner vraiment à des jeunes sœurs? Je profite de l'occasion vraiment pour conseiller les sœurs par rapport à cette pudeur, la modestie. C'est pas question d'Africain. Les gens qui vont dire, non, vous les Africains, c'est comme on me disait, rentre en Afrique. Et je n'ai jamais été victime du racisme aux États-Unis. Mais vous savez où j'étais victime du racisme? Dans le ministère de la voix. Quand je les ai confrontés, les démons de racisme sont manifestés. On dit que tu n'es pas en Afrique. Rentre en Afrique. Il y en a un qui m'a dit, qui parlait un jour de Saguen. Donc va en Afrique, prends ta Saguen et continue à aller chasser en brousse en Afrique. Il n'y a rien. Ne nous apporte pas ta culture ici. Nous avons une autre culture. La Bible, ce n'est pas question de culture. La Bible, c'est le bien commandement de Dieu. Donc, grâce, je te pose la parole par rapport à ça. Oui, c'est vraiment la rébellion. La rébellion qui s'est installée dans le cœur des femmes, avec tous les courants du monde, et le monde est rentré dans l'Église. Et avec tous ces courants qui prévaut dans le monde. Il y a eu une rébellion dans le corps de Christ et qui touche les femmes et les serviteurs de Dieu autorisent les femmes à prendre une position d'autorité. Et il n'est pas étonnant de voir ce genre de spectacle. J'y étais habituée en France à ce genre de spectacle lors des anniversaires, lors de comment on appelait la journée. Les activités culturelles, on fêtait les anniversaires, on fêtait les journées de la maisonnée, on fêtait la Saint-Valentin, donc on fêtait l'anniversaire du coordinateur du pays. Donc c'était sous ces bases de musique, sous ces bases d'accoutrement. Mais sorti de là, et à ma grande honte aussi, réconsidérer les écritures. Donc il y a un manque d'humilité, un manque de pudeur et la modestie aussi. La modestie, parce que je vais en mettre un peu plus par rapport à une autre. Et vraiment, la rivalité et l'accoutrement aussi, dans l'accoutrement, dans tout ce qui est apparence, le désir de briller, le désir de paraître encore plus belle que telle autre sœur, qui a telle autre soirée, avait vraiment ébloui tout le monde, je vais essayer de faire plus. Donc, j'avais des jeunes sœurs dans les communions, je m'en souviens, que je me témoin, je les disais de prendre leur manteau, leur gilet, et de mettre sur leur cuisse, sur leur genou, parce que mon époux était en face d'elle. Terrible. Il y avait des mamans dans notre communion, des mamans de ces jeunes filles. Je leur disais, comme ne se fait pas. Donc les mamans sont présentes, les papas sont présents, mais c'est une fierté de voir leur fille briller, leur fille paraître aussi belle, aussi féminine, aussi femme, quoi, désirable. Donc c'est vraiment un tout, ça part de la rébellion.
Et à partir du moment où la femme âgée ne s'enseigne pas aux plus jeunes, comment se conduire, comment être, revêtir la pudeur, la modestie, dans tout. Et l'humilité, ce genre de phénomène ne vont qu'à sa croissance. Tout à fait. Pas d'anniversaire, justement. Cette séance de spectacle musical, vraiment diabolique, parce que c'est le démon. La vérité et la vérité vous affranchira.